peux parler. Dina, Dina a contacté ses parents la veille de sa... Elle a contacté sa maman la veille de sa mort. Elle, en fait, elle a pas contacté directement, mais elle a envoyé des voices à sa maman où elle disait à sa maman, « Maman, je suis en danger. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu me donnes le top pour partir d'ici. Je suis en danger. J'ai besoin d'un peu d'argent pour partir d'ici. » Et elle contacte sa mère. Elle dit à sa mère ce qu'elle était en train de vivre en Turquie, des violences, et qu'elle était toujours poursuivie. Quand à chaque fois elle veut rentrer chez elle, elle est poursuivie, il y a toujours des hommes derrière elle. Donc ce soir, voilà, ils sont, en fait c'est les mêmes témoignages, nous enregistrons, comme je me mets sur mes lives, nous enregistrons les mêmes témoignages tous les jours, des jeunes Africains, pas que les Gabonais, des jeunes Africains qui vivent en Turquie, tels que les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, et, qui sont en Turquie. Donc, Dina a contacté sa maman, et sa maman n'ayant le vendredi. Sa maman, c'est une débrouillarde, c'est pas quelqu'un qui a des moyens, qui a de l'argent, et qui va trouver de l'argent, qui posait quelque part. Elle n'a pas des moyens posés quelque part pour dire que bon, aussitôt la fille la contacte, aussitôt elle envoie aussi l'argent. D'accord? Donc, elle contacte sa mère vendredi, samedi, sa mère. Pardon? Le vendredi, elle a même pas. Le samedi. C'est samedi qu'on l'a assassiné. Voilà. Donc le samedi, sa mère a cherché les moyens, sa mère a tout fait pour appeler certains membres de sa famille et des amis même si, pour savoir s'ils pouvaient lui prêter de l'argent pour envoyer à sa fille. Sauf que c'est ce samedi-là qu'elle réunit les fonds. Elle voulait lui envoyer de l'argent le dimanche. Et c'est samedi soir que Dina disparaît. Donc dimanche, quand la maman voulait envoyer l'argent, la fille n'était plus là. Elle avait disparu. Le téléphone, on ne sait pas où c'était. Et c'est comme ça que dimanche matin, on a... Dimanche dans la soirée, dans l'après-midi à 17h, c'est là qu'on a retrouvé le corps de la petite Dina de 17 ans. Voilà. Qui était dans une mare d'eau. Apparemment, il aurait violé 4 fois, puisque c'est ce que l'autopsie a révélé. Il aurait violé 4 fois. Je ne sais pas si c'était en complicité avec des amis à elle, on ne sait pas, mais en tout cas, on a beaucoup de versions. Donc, nous, on a décidé, parce qu'à chaque fois, c'est toujours comme ça avec des Africains. Il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans avant, on avait déjà enregistré, on avait déjà ramené un corps de notre frère qui était en Russie. Voilà, qui s'est fait assassiner en Russie. Donc là, nous faisons des sittings, quel que soit le temps que ça va nous prendre, même si ça nous prend 1 mois. 2 mois, on va faire des sittings ici devant l'ambassade. Nous savons que les autorités gabonaises, de toute façon, ne vont jamais se bouger. Ils ne vont pas se bouger, mais déjà avec ce que nous faisons, nous savons que voilà, ça porte ses fruits parce que cette histoire est dans le monde entier. Et c'est ce que nous voulons. Il faut que ça cesse. Nos jeunes frères et sœurs sont traités comme du bétail dans ces pays-là. Ils sont traités comme du bétail. Ils prennent leurs filles, leurs femmes comme des reines. Ils prennent comme leurs femmes comme des reines. Mais quand il s'agit des Africaines là-bas, en fait, pour eux, les Africaines sont déjà acquises. Pour eux, ce sont des prostituées. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es partie là-bas, tu es une prostituée. Et donc, c'est pour ça qu'ils se permettent d'assassiner nos frères et sœurs dans leur pays, comme si c'était du bétail et sans raison. Voici le papa de la petite Dina. Papa, voici le papa, ça c'est l'apôtre à mon chien. Donc si tu peux lui dire quelques mots. Bonjour, c'est papa. Son père, son bonjour, papa géniteur, sa seule et unique maman. Enfant. Bonjour, oh, Yako, l'unique enfant. Oh Seigneur. L'unique enfant de son père et de sa mère. Ils n'ont pas d'autres enfants. Ils n'ont pas d'autres enfants. Voilà. Ah vraiment, c'est dur. On va écouter le papa. Merci pour les soutiens, merci pour les soutiens, merci pour les messages. Oui, dites maman. On va écouter le papa. Le papa veut dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose? Bon, mais maman, comme tout parent, aucun parent ne peut accepter d'envoyer son enfant à l'extérieur comme maintenant pour les études et qu'on revienne dans un cercueil. Ce n'est pas possible. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Je veux tout simplement que les autorités compétentes essaient d'accélérer le processus. De manière à rapatrier le corps, parce que nous voulons enterrer notre jeune sœur. Le plus tôt serait vraiment le mieux. C'est tout ce et la maman, la maman, elle est fatiguée. Aujourd'hui, elle n'a pas... Elle était là avec nous hier. Elle était là hier avec nous. Elle est un peu fatiguée. Il faut se mettre à sa place. Voilà. Vraiment, c'est dur. C'est dur, vraiment, maman.
C'est très dur, vraiment. Ouais, moi, ce que je veux, ce que je veux encore dire, comme. Sa connexion. Attends, c'est moi ou bien c'est. Laisse, maman. Pardon, si je me mets à genoux devant toi, maman, pardon. J'attends les résultats. Ok, maman, je vais attendre les résultats. Je vais voir si je passe ou pas. Je vais voir. Si je passe, maman, je ne vais pas continuer ma délire là-bas. Pour ça, il n'y a pas de problème. Maman, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu as peur? Arrête de voir le mal partout. Maman, laisse-moi partir, je t'en prie. Laisse-moi partir, je vais prier, oui, mais maman, laisse-moi partir. Pardon, je t'en prie. Ne me laisse pas rester ici à Carabine. Tu vois comment on me traite. Maman, la situation n'est pas normale. Regarde comment on me traite. Maman, laisse-moi partir. Beaucoup de gens sont en train de partir. Maman, laisse-moi m'en aller d'ici. Je ne veux pas. Maman, je ne veux. Oh, laisse-moi appeler papa. Oui, je pars là-bas, je termine ma formation. Je ne reste plus ici. Je quitte. Maman, il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire, je suis dépassée, maman. Je ne fais que pleurer. Depuis hier, je ne fais que pleurer. J'ai la voix fouillée, je ne dors pas bien. J'ai les maux de tête. Je ne peux plus supporter, maman. Je ne peux plus supporter, pardon. Il faut m'enlever de Carabuc. Il y a le billet de Zakaria qui est disponible en ce moment. J'ai un frangin qui est là-bas. Pardon, maman. Le billet, c'est 200 télés. Je t'en supplie, pardon, maman. Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas à Zakaria. Il n'y a pas le racisme. Là-bas, tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. À Zakaria, la ville où je devais aller, là où ils m'ont refusé le concours, pardon. Là-bas, l'école, l'automère, c'est 475 télés. Je ne suis pas obligée de payer. Du coup, je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes papiers, jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 71 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Maman. Je m'en fais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vois, on tourne ici qu'on m'a frappé. On m'a tué. Oh, maman, pardon, je t'en supplie. Il y a un truc qui a fallu me jeter, maman. Tu vois, on tourne ici qu'on m'a frappé.